de Lille. Poste ces photos sur ta page de nu. La dame là qui est venue te donner les photos, tu sais très bien, que ce n'est pas ton problème, ça ne te regarde pas. Elle a sa vie privée. Moi, je n'ai jamais parlé assez dans mon téléphone à Tata Compressor. La fois où elle a fait le truc pour me dire, pour me soutenir, je lui ai juste dit merci. En live, je n'ai jamais parlé assez. Même en inbox, je n'ai jamais parlé à cette femme. Mais elle a fait au moins 7-10 vidéos pour me soutenir. Tu as compris? Elle a fait au moins 10 vidéos pour me soutenir. Tu viens, tu te places devant les gens parce qu'on m'a dit que restez tranquille, ne faites pas le clash, ne fais pas le clash parce que tu es un business. Foutez le camp, n'achetez pas. Vous comprenez, non? Ceux qui ne veulent pas acheter parce que j'ai dit ce qui est vrai, n'achetez pas. Je ne suis pas une personne fausse. Je n'ai pas besoin de faux argent. La personne qui ne veut pas venir acheter parce que j'ai parlé d'une cause vraie, gardez votre argent. Je ne veux pas l'argent qui vient du mal. La personne qui voit que je fais mal de défendre Tata Compressor, ne venez pas. Tentez même pas de venir me parler là. Ne tentez pas de venir me parler là. Parce que cette femme est venue me défendre. Je ne vous ai pas vu. Vous avez fait les vidéos quand? Pour dire que oh, ce qu'elle fait n'est pas bien. Vous avez fait les vidéos quand? Je vous ai vu où? Je vous ai vu où? Vous avez fait les vidéos à quel niveau? À quel niveau m'a-t-elle soutenu? Elle seule se lever m'a soutenu. Donc ceux qui ne veulent pas acheter mes produits parce que ça j'ai défendu, partez avec votre argent. Vous pensez que c'est sur Facebook seulement que je vends les produits? Je vends les produits ici en magasin. Ce n'est pas sur Facebook que je vends les produits. Vous comprenez? Donc la personne qui ne veut pas acheter mes produits parce que j'ai parlé de ce qui est vrai, partez avec votre argent et allez acheter ces produits. Je n'ai pas faim. Non. Je ne veux pas accepter quelque chose qui n'est pas droit parce que je veux que non, vous achetez mes produits. Non, n'achetez pas. Si vous pensez que vous achetez, c'est parce que non, vous achetez aussi pour votre peau. Je dois parler ce qui est vrai. Je ne peux pas me dire que Sandra ne fait pas. Ce qui n'est pas droit, il faut souvent dire la vérité. C'est logique. Parce que c'est vous-même qui faites ça. Quand elle fait quelque chose qui n'est pas normal, vous devez aussi vous retracter. Retracter, vous regardez la logique. Je ne peux pas accepter. Je dis que la personne qui ne veut pas acheter mes produits parce que j'ai pris sa défense, je m'en fous. Partez avec votre argent. Partez avec votre argent. Vous croyez que c'est vous qui allez nourrir les gens? Partez avec votre argent. Je ne veux pas le mauvais argent. J'ai toujours dit ça. En ayant les problèmes avec Flore, je savais que ça devait me faire partie certaines personnes. Mais j'ai pris cette décision. C'est venu de moi. J'ai préféré rester dans le bien. Vous comprenez? J'ai préféré choisir la bonne voie. Même si le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Même si ça prend plus de temps. Vous comprenez, non? Je n'ai pas besoin d'être populaire avec les sales personnes. Parce que je veux vendre. Non, je ne suis pas ce genre de personne. J'aurais pu rester tranquille. Faire comme si je ne vois pas tout ce qui se passe, ce qu'elle fait. J'aurais pu rester tranquille et continuer de vendre. Mais ma propre conscience n'avait pas me laissé. Et ma conscience ne m'a pas laissé. Ma conscience m'a dit, il est temps. Vous comprenez? Je dis que cette femme, elle couche avec les chiens. Donc, elle couche avec les chiens. Elle est qui pour venir dire que l'autre femme, c'est une prostituée? Tu es qui? Tu peux nous dire? Tu es qui pour venir qu'elle couche avec elle est prostituée? Elle a fait un choix dans sa vie. Elle n'est pas fière de ce choix. Et c'est normal. Elle ne va pas venir dire devant les gens que oui, je suis une prostituée. Oh oui, j'ai été prostituée. Qui a fait ça? Hein? Vous avez déjà vu quelqu'un me dire que oui, j'ai été prostituée, oui, oh, je suis prostituée, je n'ai pas l'argent, je me bats comme ça. Non, elle a fait un mauvais choix dans sa vie et elle a pris la décision de quitter ce mauvais choix. On ne veut pas continuer de la haïr. C'est le même problème qu'il y avait l'autre là qui sortait avec le footballeur là. C'est la même chose. Elle a pris une décision qui n'était pas bonne dans sa vie. Elle s'est rendue compte à un moment donné que ce n'était pas bon pour elle et elle a quitté ça. Maintenant, elle fait autre chose. Maintenant, elle sait. C'est sa manière de payer devant Dieu. En servant les orphelins, je suis sûre que c'est en servant les orphelins qu'elle se trouve, qu'elle se reconnecte avec Dieu. Elle se reconnecte avec le Seigneur. On ne peut que glorifier un acte comme ça. Je suis désolée. Quand quelqu'un a fait un péché, c'est comme ta mère te donne naissance. Tu pars, tu voles. Ta mère va te jeter. Non. Ta mère va te prendre, elle va te dire que mon enfant, arrête de voler. Elle va te donner des conseils. Arrête de voler. Elle va chercher à te mettre sur le droit chemin. Le jour que tu reviens sur le droit chemin, elle te dit, oui, tu peux rentrer à la maison maintenant. C'est pareil. Pourquoi dire qu'elle était prostituée, vous mettez ses photos, elle était ceci, elle était cela. Ça ne va rien changer.
Parce que vous voulez qu'on vous aime plus en disant ça. Vous êtes pas, vous êtes pire, vous êtes pire. Vous couchez avec les chiens. Je préfère une prostituée. Moi, je préfère une prostituée qu'une femme qui couche avec les chiens. Je suis désolée. Vous n'êtes pas mieux. Vous n'êtes en rien mieux. Je dis que revenez. Revenez sur Sandra. Ok. Oh. Revenez sur moi. Vous me connaissez même. Revenez sur moi. Revenez sur mon dos. Si vous avez les couilles, venez à Londres. Je ne discute avec personne. Si vous avez les couilles, revenez à Londres. Vous postez encore ces photos, je vous traite avec la loi. Vous postez encore une de ces photos où elle est nue, où elle est comme ça, je vous traite avec la loi. C'est moi qui prends le dossier. Ça passe ici à Londres. On vient vous chercher là-bas. Postez encore ces photos. Si vous avez deux cornes sur la tête, vous avez les cornes sur la tête, postez ces photos. Vous aimez entendre, postez ces photos maintenant là où je parle. Pardon, postez ces photos. Vous faites seulement que je vois. Postez sa photo encore. Toi qui parles là, jette ta photo que l'autre m'a envoyée, que tu avais tes chiens et tes vidéos avec les chiens. Tu veux parler de la vie des gens? Tu peux parler, tu peux donner quel exemple? Tu peux parler de la vie de qui? Tu parles à qui? Tu es mieux que qui? Tu es mieux que cette femme? Où est l'argent qu'on t'a donné pour les orphelins? Une voleuse, elle est venue me voler. Comme elle a vu que je me suis levée, elle a vu que je suis intelligente, elle a fui. Maintenant, elle retourne à la situation, dit que oh, c'est une voleuse, c'est une voleuse. Tu pensais qu'en faisant ça, ça allait faire quoi? Tu pensais que ça allait faire quoi? Tu penses que tu es quoi? Tu n'es personne. Les gens te. Tu es ce qu'on appelle la mascotte. Tu es la mascotte. Que tout le monde vient s'asseoir, on rit, on te regarde. Tu es une marionnette. Tu amuses la galerie. Ce n'est pas qu'on t'aime. Personne ne t'aime, maman. Où est l'argent dans ta cagnotte là? Une grande voleuse, la chambre des orphelins, tu voles. Pas au Cameroun, on voit. Mets tes pieds au Cameroun. Pas au Cameroun, on voit. Tu peux entrer au Cameroun. Tu peux entrer au Cameroun. Tu peux. Les gens t'attendent là-bas. Tu peux mettre tes pattes au Cameroun. Tu viens parler, compresso. Poste encore la photo de la maman, je t'ai pas imbécile. Comment ça? Merde, parce qu'on vous laisse, parce qu'on dit qu'on ne veut pas faire les vidéos. Non, je ne veux pas parler de ça. Non, non. Poste encore sa photo sur ta page. Qu'elle est nue. Poste, maman. Poste. Une voleuse. Va remettre l'argent des orphelins. Tu as quitté mon cas. Parce que tu as vu que j'ai mis toutes tes preuves. J'ai mis toutes tes preuves. Tu n'as rien. Tu étais ce qu'on appelle K.O. Sandam. Il t'a appelé Sandam. Il t'a dit, viens, si tu es venu, tu as dit que tu es parti chez l'avocat. Où est la plainte? Quand tu pars chez l'avocat, tu déposes plainte. Hein? On envoie la plainte. On envoie la plainte. On envoie, c'est où? Où est la plainte? Tu es parti chez l'avocat, non? Où est la plainte? Tu m'entends? Viens sur moi. Laisse-la, viens sur moi. Où est ta plainte quand tu es parti déposer? Une voleuse. Tu peux déposer plainte? Une voleuse, tu es malade. Tu parles à qui? Un Dieu se fait s'asseoir son gros ventre du patapou. Tu t'es regardé. Regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Je ne suis pas une fille mince. J'ai des formes, ma chérie. Je vais à la gym. Je suis belle comme il n'est pas permis. Tu viens de dire que pata, montre ton gros ventre. Tu mets la gaine jusqu'ici pour mettre le haut. Tu viens parler aux gens. Tu mets la gaine. Une fille qui met la gaine. Elle met une grosse gaine avant de mettre le haut. Elle vient de dire que pata, tu as le cou. Tu n'as même pas le cou. Montre ton cou. On voit ton cou. Montre ton cou, tu as le cou, où est ton cou? Ton cou est parti, tu es tellement, ta sorcellerie a pris ton corps, tu es tellement, tu dis que, tu as le cou là où tu es là, tu as le cou, on ne va pas parler parce qu'il ne faut pas que vous clash, je clash, poste encore ta vidéo, tu es malade, poste sa photo, mouf, regarde-moi celle-ci, regarde-moi quelqu'un, parce qu'on te laisse, poste compresseur, je ne suis pas que le distinct, toi, t'es prête. Il a dit que tu poses ton compresseur, on vient t'arrêter chez toi, je ne discute pas avec toi. Moi, je ne discute pas. Tu poses la dame là. Il a dit qu'on t'arrête. Fleur, tu ne m'ignores pas. Tu es venu chez moi. Tu connais. Tu es venu chez moi. Tu connais qui je suis. Tu comprends, non? Ne laisse pas. Tu as dit que tu l'aides. Ne laisse pas. Reviens sur moi. Maman, viens sur Sandra. Laisse compresseur. Laisse ta compresseur. Viens sur moi. Regarde-moi quelqu'un. Regarde-moi tes deux comme ça. Regarde-moi ça.
Qu'est-ce qui te trompe comme ça là? Qu'est-ce qui te trompe? Parce que tu fais ça, on te laisse. On dit que non, ne faites pas ça. La personne qui dit que Sandra ne répond pas. Regardez, si je veux parler, je parle. Je ne suis pas dans les trucs là qu'on dit que, oh, tiens, je ne suis pas là-dedans. Quand il faut parler, ce qui est droit, on parle. Vous comprenez? Je parle. Et je n'ai invité personne. Je ne suis pas en train de... Je dis que je parle. Toi qui poste sa photo aujourd'hui. Si tu as les couilles. Tu comprends ce qu'elle dit? Tu comprends ce qu'elle dit? Si tu as les couilles, poste sa vidéo. Poste sa photo. Poste... Il dit que... poste sa photo nue. Si tu as les couilles. Défi. Tu m'entends que tu es une fille, que tu... Viens. Viens. Si tu as les couilles, poste ça. Poste sa photo. Pas tes trucs que tu dis que tu me montres. Que... Poste sa photo. Si tu as les couilles. Toutes tes vidéos des chiens là, tu vas voir ça. Attends. La personne qui a dit qui m'a envoyé, c'est j'ai dit que ce n'est pas mon problème, pardon. Vous, je ne connais pas. Parce que je sais que c'est passif de peine d'emprisonnement. Les gens sont prêts. Les gens sont venus me dire que non, Sandra, prends, tu te venges. Non. Je n'ai pas besoin. J'ai dit que je n'ai pas besoin de me venger comme ça. Je ne me venge pas avec ce genre de choses. Ce n'est pas, c'est Dieu qui va faire ton palabre. Je n'ai pas besoin de me venger ce genre de choses. Si je veux faire quelque chose à quelqu'un, c'est par la loi, c'est avec la loi. Je regarde que je suis dans la légalité pour te faire ce que je pense que, voilà, tu mérites en tant que ce que tu as fait. C'est comme ça. Ce n'est pas que je vais profiter pour dire que non, je ne suis pas ce genre de personne. Je dis que je ne suis pas dans les aide-moi à détester là. Je ne fais pas partie des bêtises là. Je suis une personne qui a j'ai de la personnalité. Personne ne peut me dire que va faire ça. J'ai de la personnalité. Je dis à cette personne que... Je lui ai dit que si tu veux poster ces vidéos avec les chiens, va toi-même. Ce n'est pas par moi que tu vas venir poster tes vidéos avec les chiens. Va toi-même poster. J'ai dit à cette personne que va toi-même poster ces vidéos avec les chiens. Parce que c'est un acte bas. C'est de la bassesse. J'aurais pu faire pareil. J'aurais pu dire que oui, d'accord, puisqu'elle m'a énervé, puisqu'elle m'a offensé. J'aurais pu faire ça. Mais à quel niveau ça allait montrer? C'est de la bassesse. On appelle ça être désespéré. Quand tu es désespéré, tu comprends, non? Quand tu es désespéré, on appelle ça être désespéré. Je ne peux pas venir dire que je poste ça parce qu'elle m'a fait ça. Ce n'est pas en quoi. C'est en quoi c'est mon problème. Parce que cette personne aussi a des problèmes avec elle. Je lui dis que, mais attends, toi, tu peux aller poster. Pourquoi tu viens me donner de poster? Je ne suis pas ce genre de personne qu'on n'utilise pas. Je dis que je le fais partie de zéro groupe. Je ne suis pas dans les groupes là. Je le fais partie de zéro groupe. Et je dis et je répète. La personne qui voit qu'il ne va pas acheter mes produits parce que je défends la tata là, n'achetez pas. Vous comprenez, non? N'achetez pas. Parce que je viens la défendre. N'achetez pas. Parce que je veux toujours être vrai envers moi-même. C'est là que ça commence. Honnêteté envers soi-même. Je n'ai pas besoin du support de quelqu'un qu'on va me dire que oh Sandra, ne fais pas comme ça. Sinon, je ne suis pas comme ça. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça pour vivre. Je suis désolée. J'ai voulu toucher tous les secteurs. C'est pour ça que je l'ai pris pour représenter l'Afrique. Mais elle a mal fait. Donc, j'ai repris. Donc, je vais prendre mon temps pour reprendre une autre personne. Je vais prendre mon temps. C'est comme ça. Donc, je ne suis pas désespérée. Je ne suis pas désespérée. Pour ne pas trop, je ne suis pas désespérée. Je suis désolée. Ne pensez pas que... Parce que les gens pensent souvent que oh, tu dépends. Je ne dépends pas de quelqu'un. Si je veux dire quelque chose, je dis. Si ça vous énerve, vous n'achetez pas. Pardon. Parce que quand je commençais pas à commencer, pardon, n'achetez pas. Je représente la vérité. Je dis que si tu as les couilles, poste là. C'est ce que je dis. Si tu as les couilles, tu la postes. Et je vais te montrer que tu n'es pas plus haut. Tu n'as pas. C'est-à-dire que tu n'es pas au-dessus de la loi. On t'a trop laissé. Et les gens qui te laissent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Tu n'es pas au-dessus de la loi. À ceux qui se font faire des trucs sur internet, prenez le temps parfois de lire certaines choses. Je suis désolée. Prenez le temps de lire. Prenez le temps de vous, édifier avec les tests. Édifiez-vous. Prenez le temps de lire.
Vous comprenez ce que je veux dire? Prenez le temps de lire, prenez le temps de vous de regarder, de voir ce, les tests qui sont en réserve pour vous, qui sont là pour vous aider. Prenez ce temps-là. Ne faites pas souvent qu'on vous fait, on peut vous faire n'importe quoi, vous êtes aussi assis là comme ça là. Franchement, on dit que vraiment les gens peuvent mourir, l'ignorance peut tuer. L'ignorance tue. Tu restes comme ça, tu ne sais pas ce que... Il y a des tests en réserve pour toi, mais tu ne sais pas. L'ignorance peut tuer. Tu ne peux pas te laisser tuer comme ça. S'il y a quelque chose qui est là pour te sauver, fais ce truc-là. Utilise ça. Mais moi, maintenant, je veux dire, moi, je préfère que cette dame ne fasse rien. Parce qu'ils sont là pour la... comment dire ça? Ils sont là pour la déconcentrer. Ils sont là pour la dé... Ils ne veulent pas qu'elle voie ce... Elle a fait quelque chose. Elle a péché comme tout le monde. Elle a fait des trucs dans son passé comme tout le monde. Il n'y a pas de personne qui est mieux qu'elle. Je suis désolée. Il n'y a pas. Beaucoup, je dis que beaucoup de nous, Africains, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées ici en Europe et qui ont commencé d'abord par là, avant de faire autre chose. Est-ce qu'on va prendre tous ces dossiers-là aujourd'hui pour dire que voilà ces gens, s'ils ont changé de vie, s'ils ont donné leur vie à Dieu, s'ils ont pris un autre chemin, est-ce qu'on va prendre leur nom pour dire que les voici? Et ce qui est bizarre, c'est que la personne même qui parle de ça, elle-même, c'est une autre prostituée. Tu es une prostituée. Est-ce que toi, tu caches? Non, tu ne caches pas, tu es une prostituée. Ce que tu caches seulement, c'est que tu couches avec les chiens. Mais tu es une prostituée, tout le monde le sait. Tu es une prostituée. Et j'ai dit, et il y a beaucoup de choses que j'ai dit. J'ai dit qu'une prostituée ne peut pas représenter ma marque. Je suis désolée, c'est une marque de personne classe. Tu es une prostituée, tu ne peux pas représenter une marque de classe. Si tu veux, tu te pends. Parce que j'ai dit ça, tu pas, tu te pends. Ça ne changera rien. Tu comprends? Si tu veux, tu peux te pendre. Parce que j'ai dit qu'une prostituée ne représentera pas ma marque. Une prostituée. Si tu es prostituée, tu te caches. Il n'y a pas de problème. Je ne connais pas ta vie. Mais si tu es prostituée, tu viens compter l'argent devant les gens. Je refuse. Quand tu es prostituée, ce n'est pas un métier qu'on va venir dire faire la publicité. C'est ton choix. D'accord. Parce que je suis quelqu'un de très ouvert dans ma tête. Je suis très ouverte. Une personne prend, elle choisit d'être prostituée. C'est ton choix. Peut-être c'est comme ça que tu payes tes factures. Peut-être c'est comme ça que tu aides ta famille. Donc je respecte ton choix. Maintenant, si tu viens compter l'argent devant les gens et dire aux enfants qu'il faut être prostituée, ça veut dire que tu fais la promotion de la prostitution. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas faire la promotion de la prostitution avec mes produits. Je refuse. Voilà là où tu veux me tuer. Parce que je dis que tu ne peux pas faire la promotion de mes produits, que tu fais la prostitution. Tu viens, tu comptes l'argent devant les gens, 5 euros, 10 euros. Tu dis que oh, l'autre t'a même donné les pièces, tu comptes ça. Hein? Tu veux me tuer? Viens. Je dis que laisse la tata là, tu viens. Moi, je te traite. Envoie tout ton amène là des asticots là. Je les ai traités tous. Je te traite. Je dis que je te traite. J'attends toujours que tu te calmes, si tu as remarqué. Et ne discute pas quand tu fais le tout. J'attends toujours quand tu te calmes. Je viens, je dis que je te traite. Si tu as les couilles, tu viens. Demain. Viens demain. Tu fais quoi demain? Tu n'as pas le boulot. Viens. Tu fais quoi demain? Viens demain. Viens ici, allons demain pour fermer ma bouche. Viens. Tu arrives là-bas, tu fais le là. Tu dis que je suis là. Tu t'assois. Ce n'est pas le on. Maman. C'est-à-dire que ton faux passeport que tu as là, on va te récupérer ça là-bas. On va aller jusqu'au fond pour trouver comment tu as eu ton passeport là. Parce que c'est un faux passeport. Tu as le faux. Tu as le passeport que les gens achetaient avant. Quand il n'y avait pas encore les empreintes digitales. Quand on ne faisait pas encore le passeport. On appelle ça comment? Son passeport là. Quand on ne faisait pas encore le passeport avec... vous appelez ça? Oh là là. Numérique. On appelle ça ici biométrique. En anglais, on appelle ça biometric passport. Elle a le passeport d'avant là, que à le temps là, on ne faisait pas encore le biométrique. Tu comprends, non? C'est le passeport qu'elle a. C'est le passeport qu'elle a. Et c'est un faux passeport dont les gens achetaient les passeports avant. Les passeports que les gens achetaient avant là, c'est ça qu'elle a. C'est ça que tu as. Pourquoi tu n'as pas le compte? Où est ton compte? Où est ton compte? Tu viens parler de la vie des gens. Où est ton compte? Tu as le compte bancaire, voleuse. Une voleuse. Tu viens parler des gens. Où est ton compte bancaire? Voleuse. Tu es venu donner un faux compte pour qu'on mette la dedans. Comme tu as attrapé, tu as eu mal. Tu es parti retourner la situation vite. Tu viens, tu appelles les gens, tu es en renfort. Ils se mettent dans le noir pour commenter. Ils sont où?
Ils sont où? Avec les papiers, ils sont où avec les papiers qu'ils ont commandés? Où est leur nom? Où sont les papiers là? Bandite, voleuse, prostituée, prostituée. Comment c'est comme ça? Tu te mets les chiens, tu couches les chiens, tu veux fatiguer le monde entier. On s'en fout. C'est à 55 ans que tu te réveilles quand tu as raté ta vie pour déranger les gens. Hein? Le mec a raté sa vie. Elle vient déranger les gens. Tu as raté ta vie, ma chérie. C'est à 55 ans que tu veux ouvrir la compagnie. C'est à 55 ans que tu vas aller voler les gens pour dire que vous ouvrez la compagnie ensemble. Les gens que vous mélangez pour faire la compagnie là, vous allez regretter. Erika, vous allez regretter votre vie. C'est moi qui vous dis. Vous allez regretter comme il n'est pas possible. Vous allez regretter. On ne va pas vous dire. Vous aimez souvent entendre que oh, je vais d'abord voir. Vous allez regretter. Ça a 60 ans que quelqu'un se lève et dit que je vais faire ma campagne. Tu étais où? Tu étais où? En 60 ans, tu vas faire la compagnie à 55 ans. Tu étais où? C'est pour ça que quand tu venais ici, tu me posais la question. Où tu as fait comment pour faire ta compagnie? Tu étais déjà jalouse. Oui? Tu étais jalouse. Où tu as fait comment pour faire ta compagnie? Tu es sûr que c'est pour toi? Non. Tu es sûr que c'est pas pour les blancs? C'est pas la compagnie des blancs? Non, c'est pour les blancs. Je ne crois pas que c'est pour toi. C'est comme ça que tu parlais. Vrai ou faux? C'est pour toi? Maman, tu es sûr que tu ne travailles pas avec les blancs? C'est pour toi? Je travaille avec les blancs, mais c'est ma compagnie, ma chérie. Il y a les tests, tu sais. Va tu Google. Va me Google. Je suis sur Google, maman. Va me Google. Sandra Pamela Choc. Radial Mélanine Ona, director. Tu crois que c'était bêtise de Facebook que j'ai besoin de vendre pour avoir l'argent? Tu es malade? Une femme qui est basse d'esprit, comme il n'est pas possible. Tu pars, tu t'assois, n'achetez pas. Tu es bête. Tu as compris, non? Tu es bête. Tu es bête. Tu es méchante et bête en même temps. Une fille qui est méchante et bête. Tu as vu la méchanceté dans la bêtise? Hein? Il fallait que tu n'achetais plus ces produits. Tu crois que c'est Facebook qu'on achète les produits? Tu crois que Facebook achète. Tu crois que qui peut acheter les produits sur Facebook comme ce qu'il peut acheter dans les magasins? Qui? Hein? Tu crois que c'est Facebook qui fait mon argent? Mon argent même, tu crois que c'est Facebook qui le fait? Tu peux, tu t'assois, n'achetez pas ces produits. Regardez sa peau, comment sa peau est sale. Regarde ma peau, maman. Ce n'est pas l'eau de Javel que vous avez sur vos peaux là. Regarde ma peau. Maman, t'es un caramel. T'es un caramel en ligne. T'es un caramel. Le 31, c'est à moitié prix. Regarde ma peau. Belle comme il n'est pas. Belle le feu sort. Il dit que belle. Belle, ça ne veut pas dire qu'être comme le spaghetti. Belle le feu sort. Belle. Belle à tout moment. Tu m'as regardé. Tu peux accoucher comme un enfant qui est comme moi, qui me ressemble. Tu connais ce qu'on appelle. Tu peux accoucher. Tu peux ouvrir tes pieds comme ça. Tu fais sortir l'enfant. Là où tu me fais entrer le chien là, tu peux faire sortir l'enfant là-bas. Il faut arrêter ça. Tu comprends? Et parler aux gens. Faut arrêter ça. Là où tu fais entrer le chien là, tu me fais entrer. Tu veux, viens sur moi. Là où tu fais passer le chien, là où tu fais passer le chien là, tu peux faire entrer l'enfant là. Tu peux faire sortir l'enfant là-bas. Je te traite. Tu dis que tu veux. Tu n'as pas pu faire le désordre à Paris. Tu ne parles plus. Tu ne parles plus. Regarde, tu m'as bien. Regarde-moi un peu là, quand tu me regardes là. Tu penses que toi, tu peux faire peur à qui? À moi? Hein? Et tandis que tu postes ta compresseur, je te traîne en justice. On ne va même pas tarder pour venir te chercher. Le gens ici en Europe, hein, on vient, on cogne à ta porte. Ce n'est pas comme si tu portes plainte. On dit que non, attends, on va passer chez vous demain. Non, ce n'est pas le genre là. Ce n'est pas le genre là. C'est direct. Le genre si c'est direct. On traite ça direct. Les blancs aiment ce genre de cas. Là, tu viens maintenant, tu me copies. Je vais faire ma compagnie cosmétique. Il veut faire ma compagnie. Tu attendais une petite fille comme moi. Ton acquis pour que tu pouvais accoucher. Tu attendais une petite fille comme moi pour faire ta compagnie. Tu attendais quoi depuis? Tu demandes aux gens de te cotiser. Tu as mangé tout l'argent, on ne voit même plus rien.
Tu as fini de manger ça. Maintenant, tu viens, tu dis que comprendre. Tu n'as pas dit que tu laisses. Non, je laisse, je ne peux pas aller plus de ma cagnotte. Quand tu as vu que rien n'entrait, tu viens maintenant, tu dis encore que Radia, mais elle va me donner. Tu es où? Viens, prends l'argent. Viens, prends. Maman. Viens, prends l'argent. Viens, prends l'argent. Viens chercher l'argent. Laisse Tata Compression, viens sur moi et t'es prête. Il dit que Tata Compression ne lutte pas le plus. Tu n'as pas. Laisse cette femme-là, laisse son dossier chez moi. C'est sur le bureau de Radia Mélanie. Ton dossier est sur le bureau de Radia Mélanie London. Oui. Ton dossier est sur le bureau de Radia Mélanie. Je prends le dossier. J'ai récupéré le dossier. Il dit qu'elle a récupéré. Poste encore sa photo. Pas le bep bep bep. Postez sa photo nue. Vous n'avez même pas des photos nues. Vous prenez les photos des bêtises. Vous posez qu'elle fait la prostitution. Toi, tes photos et les chiens, c'est en cours de téléchargement. Tu as la chance que je n'ai pas ce cœur de bassesse. J'allais te poster. Mais je connais la loi. Je connais la loi. Je sais que je ne suis pas censée faire ce genre de choses. Et j'ai ma conscience en même temps. Tu comprends? Si ce n'était pas ça, elle te postait avec tes chiens là. Tu dis qu'on manque, on ne manque pas, c'est vrai, tu accouches. Il y a sa vidéo avec les chiens. Quand vous entendez ce moment.